Les conducteurs de moto-taxi en colère ont convergé vers le rond-point de la communauté urbaine de Ngaoundéré, interrompant la circulation pendant plusieurs minutes. Les manifestants ont pris d'assaut cet endroit névralgique de la ville pour exprimer leur mécontentement au maire de la ville. Il faut que le maire de la ville, si c'est l'État qui voit le problème, il faut que ça retire le prix de carburant et également des motos aussi. Parce qu'on ne s'assoit pas. On fait le travail pour gagner quoi? Maintenant, la moto, c'est à 650 000 la moto maintenant. On donne la moto contre 1 million. Tu vas travailler pour gagner. Hein? C'est difficile, non? Depuis quelques jours, le prix du carburant frélaté, communément appelé zoazoua, le carburant le plus consommé par les engins à deux roues, est passé de 500 à 600 francs, rendant furieux les mototaximens. Le carburant a ajouté 750 francs, la moto 3300. Et dans ça, cette moto, on a 50 millions de familles, on paie la maison, les enfants pas à l'école, tout ça. Le prix ne nous manque pas. On va faire comment? On va travailler comment? 700 francs le litre. On va gagner combien? On travaille pour qui alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on paie les taxes encore. On va faire comment? Malgré son interdiction par les autorités locales, la vente de ce carburant importé du Nigeria est largement répandue dans la ville, aux grandes dames des stations-service. Alors qu'ici, le prix à la pompe reste le même, les consommateurs, eux, sont aux abonnés absents. Pour l'heure, la manifestation a vite été dispersée par la gendarmerie qui s'est déployée sur place, rétablissant ainsi la circulation. Si le calme semble revenu, les conducteurs de mototaxi, eux, n'ont pas dit leur dernier mot.